my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Eh bien salut tout le monde, c'est Uglywood et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur League of Legends. Pourquoi sur League of Legends et pas sur Warface, Minecraft ou autre? C'est tout simplement, déjà je vais mettre un peu le concept. Les vidéos League of Legends c'est vraiment un cas particulier, c'est vraiment quand il va y avoir un événement, quand je vais faire un truc bien. Là c'est pas forcément faire un truc bien, là je vais faire une vidéo en live, donc ce qui veut dire que je joue en même temps que je vous parle. Ce qui fait que je ne connais pas en fait le gameplay qu'il va y avoir. Donc, pourquoi je fais une vidéo sur League of Legends, comme vous pouvez voir au milieu avec mon ancien pseudo. Eh bien, j'ai acheté Gnar avec des petits RP, une carte prépayée de 10 euros. De 10 RP, je sais que je me fais pigeonner, mais bon, voilà. Une carte prépayée de 10 euros et il y avait le pack Gnar qui coûtait du coup beaucoup moins cher. Et donc, je teste Gnar. Donc c'est faux, je ne teste pas pour la première fois. J'ai déjà fait deux parties, une partie très mauvaise, une partie excellente. Donc voilà, la première partie c'est celle où j'ai merdé. La deuxième c'est celle où j'ai un peu plus compris comment jouer Gnar. Donc vous verrez, ce perso est vraiment hyper skillé et assez intéressant on va dire. Pourquoi il est assez intéressant? Ce perso, on va dire, ça va être très simple. Je vais plutôt vous l'expliquer en fait. Quand on va rentrer dans la game. Oh, une Miss Fortune Arcade. Ah, sympa. Ouais, ça, c'est le nouveau skin aussi qui est sorti en même temps que Gnar. Avec quel skin aussi? Ah oui, avec Vi ou Vi, comme vous le dites, séductrice. Ou Ezreal. Ezreal, comme vous le dites, comme vous voulez. Bon, voilà, moi, je dis Ezreal. Je trouve ça fait mieux. Bon, bref. Séducteur. Donc voilà, donc elle a 75. La partie charge plutôt vite. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Donc aussi il y a les logos là qui sont sortis, qui sont plutôt sympas. Je me suis mis quoi moi? Je me suis mis combattant, je crois. Mais je l'ai déjà le. Il manque juste le support et le mage. Je crois que c'est tout. Support et mage. Je joue très peu support et mage, du coup, voilà. Donc l'AMF a bientôt fini de charger. Donc je vais pouvoir vous expliquer ses skills très facilement. Donc le skin d'Inognar est personnellement je trouve plutôt accessoire. Bon, vous me direz, un skin c'est plutôt assez accessoire, mais par exemple, si on prend l'exemple de Miss Fortune, là, son nouveau skin, le skin de base est beaucoup plus, je dirais, moche que le skin Miss Arcade. Alors que, à part la, je dirais, juste le skin, comment il s'appelle, de Gnar, comment il s'appelle déjà, skin, Dino Gnar, pardon, est vraiment hyper accessoire, puisque le skin de base est vraiment excellent, c'est vraiment très bon, un très beau skin. Le skin Gnar, c'est juste, moi je l'ai juste acheté pour la forme méga Gnar, vous comprendrez tout de suite. Donc, mais Gnar a déjà, comme tous les autres persos, le A, le Z, le E et le R. Le R est débloquable uniquement au niveau 6, contrairement à certains personnages. Son passif, donc ici c'est son passif, il génère de la rage, qui se trouve ici un peu à l'effigie de Shyvana. Il produit de la rage quand il lance une auto-attaque. Sur un creep je crois aussi, ça marche sur un creep. Quand il attaque, donc ça doit marcher sur un creep et sur un... Donc imaginons que lui c'est mon ennemi, je l'attaque, je gagne des points de rage. Et arrivé au max de la rage, il a 4 secondes pour... En fait, vous avez un délai de 4 secondes pour vous transformer. Mais vous pouvez vous transformer avant en lançant un spell en fait. Si vous lancez un spell avant la transformation... Ben en fait il va se transformer. Imaginons que vous venez d'avoir 100%, vous lancez direct un spell, il va pas attendre 4 secondes pour se transformer, il va directement se transformer et lancer son spell normal. Donc voilà. Après, son A, vous le verrez tout de suite, c'est un boomerang qui fait des dégâts à l'aller, mais pas au retour je crois, si j'ai bien compris.
Et vous pouvez réduire le cooldown, donc le temps d'attente en fait de la récupération du spell, en le rattrapant. Je vais vous montrer ça tout de suite si j'arrive à le rattraper. Hop, là je le lance en ligne droite. Il va revenir sur moi directement. Mais vous pouvez le lancer mal. Et il ne reviendra donc pas sur vous. Ensuite, le Z et le E, puis le R, je vous le montrerai dès que je vais les débloquer. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé mon boomerang. Les spells aussi font gagner de la rage. Du coup, j'ai gagné 18 de rage. Donc là, je vais perdre un creep. Ouh, je l'ai eu vite fait. Donc, c'est vraiment intéressant parce que le cooldown est réduit de 50%. C'est vraiment énorme. Donc là, moi, j'ai un gros avantage sur lui. C'est que moi, j'ai la distance. Par contre, les dégâts sont pas encore présents. Du coup, moi, je... Oula, Lovic. Je me permets de la race en fait. Hop, là je l'ai récupéré de justesse, hein, franchement. On a le premier sang, donc ça c'est bien parti. Après, c'est vrai que moi j'ai fait une partie où j'ai pas du tout réussi à gérer Gnar. Puis une autre où justement j'ai carrément géré. Donc là, hyper. C'est ça, c'est. Non, c'est agitation, pardon. C'est wiper, non? En anglais, je crois. Voilà. Donc lui. Avec son, vous voyez, il y a des traces rouges autour du personnage, du petit script. Et arrivé à 3, vous allez faire des dégâts en plus. Vous allez dé vous déplacer beaucoup plus vite. Donc là, le méga Gnar se déploie. Tout simplement parce que j'étais à 100. Et ses spells changent. Donc nous avons le lancer de maison pour le skin. Hein. Normalement, c'est un gros caillou. Vous avez le saut. C'est le E. C'est un peu la même chose avec Gnar de base. Hop. Je l'ai pas. Vous pouvez récupérer donc le caillou par terre. Pour réduire le cooldown. Et le E, c'est un stun. Un stun de zone en face de vous. Et donc le E, je vais vous montrer ça. C'est vraiment très intéressant. Dès qu'il va tenter de m'attaquer, je pense. Voilà. Ah merde, j'aurais dû le faire à ce moment-là. Là, là j'essaye de le mettre très mal en fait. Parce qu'en fait, vous voyez, Wiper, ça fait vraiment... Ok. Je me suis pris deux coups de tourelle, c'est mauvais. Hop. Là j'ai mal joué avec les coups de tourelle. Je voulais en fait, j'étais un petit peu trop boldy en voulant lui mettre encore plus, en voulant le mettre encore plus mal. Le souci c'est que moi j'ai un, c'est un Rengar en fait en jungle, ce qui va être vraiment très très chiant. Je sais pas si vous jouez tellement à League of Legends ou si vous êtes un débutant, mais Rengar c'est plutôt chiant jungle, ça fait mal. Bon après moi j'ai une escape de ouf. Hein. De toute façon. Voilà, donc ça c'était le E, c'était une escape, c'était un bond. Et quand vous bondissez justement sur un creep, un allié, n'importe, même un adversaire, même les creeps alliés, vous allez faire un double bond. Vous allez rebondir en fait comment il s'appelle? Bah sur le personnage auquel vous ciblez. Et là je l'ai loupé, c'est dommage. Là j'ai bientôt ma rage. Et donc là je vais en profiter, je vais tenter de l'attaquer. Et là on est à égalité. Hop, on réduit le cooldown en récupérant la maison. Voilà. Là, j'essaye en fait de push parce que... En fait, le but, c'est qu'il perde le plus de creep parce que... on va dire que s'il est feed, ce perso, s'il farm très très bien, ça va être très très difficile de revenir dans la game après. Donc là, j'ai voulu poser mon... Je le récupère. Hop, un petit dégât. Je l'ai pas touché, d'accord. Autant pour moi. Je le touche pas encore. Là, je me dépasse pas encore assez vite. Donc vous verrez, l'ultime, il va être très dur à placer. Tout simplement parce qu'il faut l'utiliser vraiment très très bien. Il faut avoir la rage. Et ça, c'est vraiment très 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 Soulant. Voilà. Donc personnellement il a pris TP, donc la téléportation sur sa tour, c'est un avantage tout simplement parce qu'il va revenir dans le farm, il va pouvoir push avant moi, mais le truc c'est qu'il pourra pas me tuer aussi facilement que moi. C'est-à-dire que moi j'ai l'ignite, donc il va essayer de prendre moins de risques. Déjà j'ai l'ultime, donc lui aussi, donc là ça va être plutôt. Hop ça touche, faut toujours essayer de la race, par contre il me tient vraiment, vraiment bien hein, ce perso. Ah, j'ai la rage au max. Vous voyez là? Hop, j'ai lancé un spell, il s'est transformé, il n'a pas attendu les 4 secondes. Donc moi ce que je fais c'est que vraiment je push quand je suis en Gnar. J'ai l'impression qu'il push plus vite. Je sais pas, c'est peut-être une impression, mais il a plus de zones. On va dire que son caillou fait plus de zones.
Hop, ah ça a pas touché. Hop, je le récupère pour essayer de lui balancer un boomerang juste après. Ça a pas marché. Donc là, on n'a pas eu d'intervention du hangar. On va voir ce que ça va donner juste après. Hop, là il va l'éviter, c'était obligé, il l'a bien vu. Je me serais pas avancé pour autre chose. Hop, j'évite. Ça touche pas. Je n'ai jamais réussi à le toucher avec mon boomerang en fait. Je comprends pas pourquoi ça le touche pas des fois. Oh là là, c'était très mal lancé. En tout cas, mon farm est dégueulasse, hein. Vous avez pu le remarquer. Hop là. Là, j'ai même pas flash. Vous voyez, lui, il a utilisé son flash pour absolument rien. Il a utilisé son ultime, et ça, c'est très intéressant. Tout simplement parce que moi, je ne l'ai pas utilisé. Donc là, je vais back. Bon. La technique, c'est que vous prenez le sceptre vampirique, pardon, plus une nouvelle lame de Doran si vous avez assez. Une popo, voilà. Et vous vous barrez. Et puis après, vous finirez avec le sabre vicié. Donc ici, le sabre vicié. Et vous ferez vos bottes, vos tabines ninja, juste après. Donc voilà. Donc on va dire que là je vais pas faire le ouf. Parce que Aatrox, c'est une régène un peu de malade. Et donc ça va être vraiment très très dur de le tuer. Je vous l'affirme. Je regarde juste. Non, je vais pas faire les options là. Ah, je voulais rebondir en fait, ça a pas marché. Et j'ai pas récupéré. Donc je crois que j'ai récupéré quasiment à chaque fois mes boomerangs. Là il m'a mis sur la tour, du coup ça va être plutôt dur à farm. Ça va, j'ai atteint les dégâts. Le truc c'est que le sceptre vampirique va me permettre d'avoir de la régène aussi, et donc il n'aura pas tellement d'avantages sur moi, même si lui de base il a tout ça. Donc tant qu'il n'aura pas back, je pourrais l'avoir. Donc en fait, l'adversaire peut voir quand vous êtes en pleine rage, tout simplement parce que votre costume change. Hop, touché. Ça fait plutôt mal, hein. Voilà, ça c'est violent. Ah, j'ai voulu anticiper son mouvement. Là, j'ai récupéré de justesse aussi. Il l'a loupé. Tant mieux. S'il l'avait eu, il m'aurait tué, je pense. Hein. Parce qu'en fait, il m'aurait bump sous la tour et donc j'aurais pris beaucoup de coups de la tour. Et on l'a eu. Punaise, là c'était le stress de la mort. Donc là j'ai flash. Oula. Ouais, là il m'a eu. C'est bien joué. Il est revenu. En fait, j'ai su qu'il était là. Tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas un peu. Regarde, vous avez un petit point d'interrogation. Quand il utilise son ultime, il devient visible. Et hop, il vous saute dessus comme un gros salaud. Donc, on va voir un peu le rengar. Il fait du 1-1. Donc il a rattrapé son retard. Donc voilà. Donc là, on a fait le sabre vicié. Et donc nous on va commencer en fait à faire les bottes. Moi j'ai une technique qui est très peu conseillée par les professionnels. Puisque si en fait vous perdez de l'argent, moi je prends direct le doux foyer, vous verrez pourquoi je reviens plus vite sur ma lane. Et donc je suis vraiment beaucoup plus rassuré. Là vous voyez, là va y avoir un push. Et donc je vais essayer de demander de l'aide, même si le Kha'Zix lui, il s'en fout lui. Hein, je vais lui demander de l'aide quand même. Oula, apparemment j'ai appuyé hyper fort sur mon clavier. Ok, bon bah je reviens. Là ils ont eu ma tourelle évidemment. Là, je lui ai demandé gentiment de l'aide, hein. J'étais pas Kha'Zix, help please, you motherfucker. Ok, d'accord, c'est pas du tout ça ce que je voulais lui dire, hein. Ah si, ça fait des dégâts là, au retour. Autant pour moi. Les dégâts de la mort. Hop, GG. Là, il me l'a laissé. Hein. Là, clairement, il me l'a laissé. Je lui dis TI quand même.
Là, il est venu. Je lui ai demandé de l'aide, il est venu. Donc, faut remercier, bien sûr. On n'est pas des salauds. Hop, là, j'ai vu où il allait venir. Je connais un peu maintenant comment, où il va arriver, à peu près. Donc là, je vais faire... Hop, je vais vous montrer. Pouh! Un rebond. Je trouve ça plutôt marrant. Et vous pouvez ainsi, j'ai remarqué, vous pouvez lutter... Oula, je l'ai loupé, d'accord. J'étais en plein dessus, mais bon. Vous pouvez demander... Je peut-être... vous pouvez l'utiliser, pardon. Quand vous êtes en Meyagnar, juste avant qu'il se transforme, en fait, le son, je vais peut-être le baisser, peut-être pour vous. Moi, je trouve pas ça très fort, mais après, peut-être qu'en vidéo, je sais pas, peut y avoir un souci. Ouais. En tout cas, je lui mets bien, bien cher. Bon, c'est sûr, après, dès qu'il y a le Rengar, je meurs, quoi. Ici, de Soussaï. Hop, ça touche. Allez. Là, en fait, j'attends parce que je vais me transformer en Meganga, en fait. Là, je vais me transformer. Voilà. J'ai entendu 4 secondes. J'ai utilisé mon ultime tout à l'heure. Effectivement, j'ai utilisé. Je sais pas si c'était hyper worse parce que j'aurais dû essayer de le balancer par là. Là, il aurait beaucoup moins de mal, j'aurais même pas dû flash. Là, c'était une erreur de ma part. Alors, vous avez un petit boost de vitesse quand vous quittez votre mode Megagnar. Ah, j'ai pas expliqué l'ultime. Alors, l'ultime est vraiment spécial, tout simplement parce qu'il faut que vous... comment ça s'appelle? Il faut que vous soyez en Megagnar pour avoir la capacité active. J'essaie de l'avoir là en le rattrapant, ça a pas marché. Là, il sait que j'ai plus mon E. Là, clairement, là, il l'a vu. Puits de sang. Autant pour moi, j'aurais dû essayer de bon. Tant pis. Ah! Bon, 2-2, ça va. C'est pas un score trop terrible. Je tiens à le dire, parce qu'avec ce perso, je peux vous dire que j'ai fait un score... Je fais du 1-8, quoi. Non, du 3-8. 3-8. Peut-être pas déconner non plus, mais... Ah, faut le tuer, là, il push trop, hein. Aatrox, c'est vraiment un pusher, ce mec, hein. Là, je sais même pas, moi, j'attaquerai pas les creeps. Moi, je foncerai sous la tour, rien à foutre. Ok, donc là, j'ai encore une popo. J'espère que le clic de ma souris vous gêne pas, j'espère pas. Et j'espère aussi que le... Comment ça s'appelle? Le... Flûte! Le best-of! Le best-of vous a plu. C'était plutôt marrant, effectivement. Gnar était loin de sortir. Je l'ai vu. Voilà. Comment on gère? Popopo! Donc voilà. Donc là, le Aatrox, c'était pas très malin. Moi, je serais retourné dans ma jungle. C'est vrai qu'il a voulu peut-être perdre beaucoup moins de temps. Il pensait pas que j'arriverais aussi vite, je pense. C'était... On va dire c'était risqué, comme ce qu'il a fait, quand même. Parce que moi, j'aurais... Voilà. Vous voyez, j'ai pu utiliser le E de mon petit Gnar sur mon méga Gnar. C'est plutôt marrant. C'est même très marrant. Donc, le R, je vous disais, vous pouvez projeter tous les ennemis qui sont en face de vous. Vous voyez, là, il y a une flèche. Il y a un rond, puis une flèche. Et là, tous les ennemis qui se trouvent ici, eh ben, vous pouvez les repousser. Et quand vous les poussez sur un mur, c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait. Mais ça n'a pas marché. C'était... ça peut le stun. C'est même sûr, ça, le stun. Donc voilà. L'escape de la mort. Ok, bon bah là, là par contre. On tente de flash. Ça ne marche pas. Attention, on l'a... Oh. Oh, je suis dégoûté. En fait, le Kha'Zix, je viens jamais. C'est ça le souci. Bon, je veux pas rejeter ça, la faute sur lui, mais je veux pas dire, il est venu 0 fois. Hein. Mais bon. On va pas non plus l'embêter. Là, une fois que vous avez... Moi, je mets les deux foyers. Normalement, faut pas mettre les deux foyers. Hein. Faut pas les mettre. Vous finissez la BOTRK, je crois que c'est ça, comme on dit en anglais. Je sais plus. Je m'en fiche, en fait. Du coup, voilà. Du coup, là, j'aimerais bien que ça vienne défendre. Et un truc avec mon téléphone. Triton avec 180 fait du bruit quand vous recevez un message, qui est plutôt chiant. Là, mauvais. On va essayer de pas feed. Mais par contre, il gère. Ah oui, tout à fait. Ah, mais tout à fait. Oui. Absolument.
Elle va la voir, c'est obligé. Bon, moi je retourne à. Ouais, je l'aurai jamais, moi. Oh, Brand, Brand. J'arrive, j'arrive, Brand. Est-ce qu'on peut. Je me demande si ça marche aussi sur les wards. Non, ça marche pas. Tente-toi de faire un kill là. Par contre, ils ont pas beaucoup de niveau, je trouve. Hop là. Bon, bah, moi je retourne sur ma lane. Qui est bien push. Là, je peux rien faire. Là, mon but maintenant, ça va être de défendre, de défendre, de défendre, de défendre. Donc là, je comptais pas du tout vous faire un gameplay de ouf, hein. Je ne comptais pas vous faire un truc de malade. Le mec le plus fort avec Gnar. Pas du tout. J'ai pas du tout les mécaniques pour ce perso. D'ailleurs, je viens de louper un petit boomerang. Voilà, bon, j'adore le méga Gnar de ce skin. Il est vraiment excellent. En plus, il. Enfin, c'est marrant, regardez sa danse. Je sais plus si c'est sa danse. Ah, je pourrais pas le faire. À un moment, il prend un hélico, il le met dans sa bouche. Ah, j'ai pas pu le faire. Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est le 4. Contre le 4. Là, en fait, le truc, c'est que je vais juste laisser push. Il a combien de creep? 84. Ça veut dire que je lui mets quand même 10 creeps d'avance. Hop. Les dégâts en jungle. Voilà, bon finalement ça va être bien en jungle ce perso. Peut-être un gameplay dessus, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais bon. Rengar, et comment ça se finit ce perso? Peut commencer à être violent. Ah, je l'ai loupé! Autant pour moi. Ah, je veux bien moi, mais t'es pas là. Moi, je veux bien lui défoncer sa gueule. Hein. Lulu qui me demande de défoncer Aatrox. N'importe quoi. Il commence à être un peu trop tanky, le mec. Hein. Et je récupère rien. Ah là, c'est obligé. Là, il y a quelqu'un. Là, c'est un bait. Ce qu'on appelle un bait. C'est un bait. C'est un bait. Et nous, ce qu'on va faire, du coup, je vais réessayer de vous le montrer. Allez, fais ton contrôle 4. Mais il est... J'en étais sûr de ce petit creep! Du brun! Bah! Punaise! Ah, le missile du creep! Hein! Il me restait 10 PV! Ah, le missile! Ah, le missile, j'en reviens pas. Je suis estomaqué là. Défendez! Soyez ouf, putain, Cryo Brand, il est moche, perso, je trouve. Ce skin, je viens. Après, on critique pas Riot, on critique pas. Mère patrie. Donc là, il va tenter de le finir, tout simplement. Sauf que moi, je suis là. Et ouais. Voilà. Voilà, comment on push. Bon là je suis revenu dans la game. C'est-à-dire j'aime pas les scores négatifs. Je n'aime pas. On va voir si c'est fort en jungle avec le Mega Gnar. Je dirais moins fort. Le Mega Gnar est moins puissant, je trouve. Ah zut! J'avais bien prédit. Mais je le voyais pas le trait. Du coup je me suis dit, ah mince. Je vais back. Allez, regardez ce petit back trop mignon. Attends, je vais vous le faire dans l'autre sens. Oh, il est mignon. Il joue avec les petits cubes. LOL. Vous voyez, ça fait LOL. Claude est parti. Très bien. Il nous a quittés. Au revoir. Maintenant, on fait le dernier souffle. On va vendre ça. On va faire ça. Et on fait le dernier souffle. Dernier souffle qui va réduire en fait l'armure.
Et donc, Aatrox qui lui prend de l'armure. Non, pour l'instant de la vie, mais il va prendre de l'armure, c'est obligé. Hop, on bondit, boum. Et bien un peu la tacticité du truc. Ah d'accord, aux potes, ils viennent juste de détruire notre tourelle. C'est bon. Là, il croit que je vais le laisser push le Aatrox, mais en fait, c'est un piège. Je vais le bait. Là, il me faut de la vie, par contre. Je suis en train de le bait. Je vais passer par là plutôt. Puisque mon méga gnar est bientôt là. Et oui. Et oui, les amis. C'est pour ça que je le bait. C'est pour ça, ce bait de l'infini. Pardon. Les gars, on se calme. Wow. Ok. Eh oui, je suis Gnar, mon ami. On voit toute la mère patrie. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas trop de raffus. C'est ma lane. C'est ma lane. Venez. Alors. Oh le. C'était le bait du Gnar. On va lui. GG. GG, c'est anglais. Ça veut dire... Je sais pas ce que ça veut dire. J'en ai aucune idée, en fait. Hop là, le fail. Je voulais l'avoir. Donc le farm est intéressant avec Gnar. Malheureusement, je suis un très mauvais farmer. Je ne suis que Silver 5. C'est très mauvais. Si on regarde le farm, parmi Fortune et Caitlyn, personne ne me bat. Nous, du coup, on va juste pusher cette lane. J'avais bien prédit. Oh là là, quel magnifique prédisseur. Donc Gnar, c'est un perso que je vais sans doute jouer en ranked. C'est vraiment très intéressant. Une fois que je le connais bien, je jouerai en ranked. Tout simplement parce que c'est un très bon perso. Un très bon pick. Qui peut être intéressant. Malheureusement, je suis sûr que je vais jamais gagner vraiment ma lane avec. C'est un perso qui est cheaté. Mais si vous avez quelqu'un de fort contre vous qui connaît un peu Gnar, après c'est vrai que ça va être beaucoup moins cheaté. Là au début, je lui mettais cher, mais j'en ai pas profité en fait. J'ai pas vraiment profité. J'ai juste attendu, farmé, c'est tout. Là, il me met... Là, la technique, c'est que du coup, là, il a utilisé son bon. Je sais pas si le... Ah, ça touche pas, autant pour moi. Donc vous avez une certaine distance, évidemment, pour le rattraper. Ça ne va pas faire la map entière. Mais il y en a qui utilisent cette technique. Ça fait des dégâts au retour. L'esquive de la mort. Là, il est monté niveau 15. Ah, c'est mauvais. Ça veut dire qu'il m'a rattrapé. Il perdait d'un niveau au début. Ah, autant pour... Oh, oui, il vient de spawn. Wave after wave. Oh, le Rengar. Le Rengar. Et on a fail, le fail. Donc voilà, on a tenté le KS. On a tenté ce qu'on appelle le retour du KS. Et on a tenté aussi le fail du jump de Gnar. Bah, vraiment très intéressant, hein. Et en plus, le fail du rattrapage du boomerang. Ça, c'est vraiment une technique très élaborée. Élaborée justement par les meilleurs ingénieurs de Riot, hein. C'est vraiment le truc. Le truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est louper tous ses spells en fait. Tout louper. L'ultime, par la même occasion. Alors là, c'est le truc à louper. Hein. Franchement, bon, j'arrête avec ces conneries, mais... Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pusher quand même, parce que là, ça va pas le faire, sinon... Le Aatrox qui vient de revivre. Donc là, on a... Vous verrez les... Alors, je trouve que les dégâts sont un peu plus abusés sur le Mega Gnar, mais... Le Mega Gnar est vraiment une... Je sais pas, il y a un truc en plus que je préfère. Déjà la stylitude, on va dire. Je préfère la stylitude à la mignotude. Hop, la maison. En fait, c'est une maison hein, qui balance. Si vous avez pas compris pourquoi j'ai dit maison tout à l'heure.
C'est une maison qui balance, tout à fait. Donc, ouf! L'avez vu? L'avez vu le mec qui a posé une worm? Voilà. Hop, on le ralentit. Ah, oh, il a pas pris le retour. Et j'ai pas rattrapé. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Hop, on pique la vraie. On récupère de la life en fait. Hop, les loups. On les loue se fait un peu lentement quand même. J'essaie de le KS. J'ai essayé le KS. Là, il nous a tout mis. Je serais mort si j'étais pas méga gnar. Je serais mort, mais je l'aurais. Ah voilà. Ça, c'est le bac. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est le bac avec le gros gnar. T'as vu ou quoi? Là, il y a un hélico. Il essaie de l'attraper. Il l'attrape. Il le bouffe. Bon là évidemment il n'y avait pas la fin mais c'est vraiment. Ah il travaille sur les bacs, ça c'est vraiment intéressant. Ah, je suis satisfait en fait du résultat. Donc là on va prendre le Yumu. Alors le Yumu c'est un truc bizarre mais c'est pour les coups critiques en fait, moi que je prends. Parce que Gnar, en fait, si vous mettez un coup critique avec le l'agitation, donc le troisième là, là vous envoyez, je sais pas moi, 600, 700 de dégâts et c'est vraiment. Vous voyez, 607 ans de dégâts, moi c'est midlife. Bon après, faut avoir le coup critique et ça, c'est pas sûr. Mais je prends plutôt la vitesse d'attaque. Parce que le coup critique, le truc c'est que c'est bien, mais. Mais si vous n'avez aucune vitesse d'attaque, vous ne pourrez pas proc hyper facilement le coup critique avec le. Le gnar. Merde! Mais je perds tous mes mots ou quoi là? Boum, le caillou qui fait des dégâts de zone énormes. Bon, bref. Et merde, je sais plus ce que je voulais dire, ça y est. Mais vous ne. Ah merde, vous voulez. Vous pouvez pas proc beaucoup de coups critiques si vous êtes. Si vous n'avez aucune vitesse d'attaque. C'est scientifiquement prouvé. Hop, vous avez vu? Là, il m'a complètement squeezé le mec. Hein. Il m'a dit. Ok, d'accord, je te laisse partir. Bon, après moi, c'est pas ce que j'aurais fait avec un gnar. Mais en même temps, il a, si vous voulez, il a 4 niveaux de moins que moi. Donc la logique, c'est vrai qu'il se ferait défoncer, je pense. Même avec beaucoup de vol de vie, je pense qu'il se ferait défoncer. Bon, bah nous, on va faire le bleu. Non, il n'y est pas, d'accord. Autant pour moi. On va se refaire la grande vraie. Je trouve qu'elle est très faible. Hop là, on récupère. Oh, oh, oh merde, le jump. Je l'ai pas. Hop, hop, hop. Hop, mais même sans le jump, même sans récupérer votre boomerang, vous l'avez quand même relativement souvent. Et ça sert. Mais punaise! Qu'est-ce qui me prend hein? Mon de Dieu, là il y a un team fight au mid et je ne suis pas là. Miss Fortune Arcade, c'est vraiment un skin, je pense, qu'il faut acheter. Pour l'instant, puisqu'il est seulement en. Oh punaise les dégâts. Oh punaise les dégâts. Puisqu'il est en réduc, il y a moins 28% et je pense que c'est le skin le plus stylé de Miss Fortune. J'en ai aucune idée, hein. C'est aucune certitude que je le dis, mais. Voilà, là maintenant, là j'ai l'impression qu'il fait énormément de dégâts. Regardez, boum, boum, boum. La Caitlyn n'est que niveau 3. Hop, on se fait pas toucher, bien sûr. Elle me pique tout! Et voilà, j'ai eu un creep. Là, on a push, mais comme des malades. Moi, je veux bien, moi, je continue. Hein. Je continue? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Oh! Oh merde! Autant pour moi! Autant pour moi! Laissez-moi tranquille! Hop, là, le slow. On a le slow. Et je survis. Mais oui, bien sûr. Wait me, wait me. Ah. J'avais pas assez. Faut que je régène. On va faire le Drake. La régène de malade. Oh, le gros gnar. Je suis gnar. Et je te défonce ta mère.
Salut! T'as le seum, hein? Faut pas parler comme ça, c'est pas gentil. Donc là, complètement dans le caca, lui. Divin. Mais c'est quoi cette histoire, divin? Non mais attendez. Et pas au pays des bisounours ici, quand même. Y a pas de divin qui existe. Ah mais c'est pour notre équipe. C'est pour notre équipe. Si, en fait, ça existe. Oh là là, la pluie de balles, là, trop stylé. Ça fait un peu penser au jeu rétro. Bien sûr, bien vu. On a le push. Là, on a le push. Là, on a l'avantage du push. Mais au début, c'était... Oh putain. Excusez-moi de me barrer comme ça, là, mais... Là, personne ne voit. Là, ça push, hein. Ça push tranquillou. Ah merde, et en plus, je clique. J'aime bien le bac. Regardez. Hop, il sort ses petits jeux, là. Bah, il sort pas ses petits jeux. Ah, c'est peut-être un bac différent, des fois. Autant pour moi. Là, Lulu! Voilà, bon. Lui, il a regretté d'avoir TP, je pense. Hop, on récupère, bien sûr. Toujours dans le respect de l'adversaire et des petits creeps qui veulent un caillou dans les dents. L'image change. Ah ouais. L'image change. Boum. Est-ce qu'on a tous les creeps? On a tous les creeps. C'est parfait. On est déjà niveau 17 et on peut voir niveau 18, il arrive bientôt. Ah, Gnar, Gnar. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve c'est un perso vraiment excellent. Il est vraiment marrant à jouer. Et vous avez une survivabilité qui est assez impressionnante. Même si vous n'êtes pas un, je sais pas moi, un Zac, un Ekarim, qui ont beaucoup de vie eux. Enfin, qui peuvent avoir beaucoup de vie évidemment. Un Zac, ça peut jouer à P ou à D, je sais plus d'ailleurs. Je dis de la merde moi, de toute façon. Vous avez beaucoup moins de survivabilité, mais vous avez déjà cette survivabilité là, le petit bon, le petit bon qui est vraiment intéressant. Hop là, c'était pour me transformer rapidement. Oh là 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 là. Oh le stun, ah c'est pas vrai ça. Ah punaise. En fait, je voulais bon justement au moment où il allait me placer ça. Et le stun passe. Et le stun passe. On a le Yumu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ange gardien. Parce que je me sens pas en sécurité en fait. Sur cette faille de l'invocateur. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'elle va être la refonte. Le reward quand. Ouh le poche. C'est ce qu'on appelle du poche, les amis. Là, ils étaient pas sûrs de m'avoir. Clairement, là, pas du tout. Si j'avais pu mettre mon E, je me serais écarté. Mais si surtout je n'avais pas. Je ne m'étais pas transformé en fait comme un con, je serais survivi. Pourquoi survivi? Parce que je dis de la merde. De toute façon, c'est survivre. Voilà. Je dis survivi, moi. Non, tout simplement parce qu'en fait, quand vous êtes Gnar, méga Gnar, je parle, vous avez moins de vie. Vous avez beaucoup plus de vie, mais vous êtes beaucoup plus lent. Donc si j'avais eu le petit agitaté, le petit gnar, eh ben je serais sans doute en vie. Et je ne ferais pas un score négatif, mais voilà. Et donc on peut dire le push l'emporte. Le push l'emporte. Donc là moi j'ai zéro push. Hein, toujours la deuxième tourelle. Eux ils ont ils sont aux inhibles, eux, mais. Oh, là ça fait très mal. Boum! Là ça fait énormément de creep. Hein. Là il a dû booster son nombre de creep à donf. Bon bah. Slash all GG. We played. Et voilà. La game est finie. Donc elle a duré pas très longtemps, je pense. Elle a dû durer une trentaine de minutes. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la Opium Destiny, à liker les autres vidéos ainsi que celle-ci. Mettez des commentaires si ça vous a plu. Et si vous avez des trucs à nous reprocher ou justement à nous féliciter de notre travail, pardon. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.